sens pas c'est comme des opportunités. Le problème, c'est que mon prenant a été le cas du mal de l'Ussène. Donc, ça passe à chaque histoire de l'Ussène, le sort qui vient du monde. Vous faites comment pour vous
1, 2, son, ok. Son, 1, 2, 3. Son, 1, 2, 3, son. Bon après-midi à tous et merci de nous rejoindre justement dans cette rencontre où on avait des légers soucis avec notre appareil sonore qui nous donnait quelques difficultés pour justement vous commenter cette rencontre qui, on va le dire, oppose le Canon Sportif de Yaoundé et Eding Sport de la Laikié. Match comptant pour la troisième journée du championnat de football MTN Elite 2022-2023 dans la poule A. Le Canon qui affronte donc Eding Sport de la Laikié et qui reste sur 4 matchs, on va le dire, sans victoire contre cette équipe d'Eding Sport de la Laikié. La toute première victoire du Canon de Yaoundé remonte à 2016 et la toute première rencontre officielle entre les deux équipes. Le Canon s'est imposé donc à ce moment-là, 2-0, me semble-t-il. C'était en mars 2016. Et bien cet après-midi, vous nous rejoignez, on joue la 21e minute de jeu. Toujours 0-0 entre les deux équipes, même si on ressent une nette domination de la part des Mekok Mengonda depuis le début de cette rencontre. Je ne suis pas seul cet après-midi, je suis en compagnie de Thomas Olivier Bellibi, le média officer du Canon de Yaoundé. Bon après-midi, bon après-midi à tous. Bon après-midi Steve Gabenguena, bon après-midi à tous les supporters du Canon de Yaoundé qui sont connectés en direct sur la page Facebook pour cette rencontre dont vous avez planté le décor. Effectivement, 21 minutes déjà de jouer et pas de véritable grosse occasion à part cette tête de Moukoko dégagée sur la ligne par les défenseurs d'Eding Sport de la Laikié. Le Canon de Yaoundé et Eding Sport qui se neutralise encore, c'est le remake de la tenue de l'une des demi-finales des playoffs saison 2021-2022. C'était du côté de Garoua. Le 30 juin dernier, Eding Sport de la Laikié avait donc pris le dessus au tir au but sur le Canon de Yaoundé après 120 minutes de jeu vierge, nul et vierge, zéro but partout. Cet après-midi, donc, les deux équipes se retrouvent et comme Steve le mentionnait, le Canon n'a plus battu Eding Sport de la Laikié depuis 4 rencontres consécutives. La dernière rencontre qu'il a relevée, c'était en mars 2016 lors du tout premier affrontement entre les deux équipes. C'était aussi la saison où Eding Sport de la Laikié avait été promu en Elite One. Victoire du Canon Yaoundé 2-1 depuis lors. Il n'y a plus jamais eu de victoire pour le Pakoum qui court après sa première victoire cette saison. Steve Gabenguena va certainement vous donner la composition de l'équipe dans les prochaines secondes. On va simplement signaler qu'il y a un seul changement par rapport à l'équipe qui a joué lors de la deuxième journée le week-end dernier du côté de Douala contre Avion Duncan. Il y en a peut-être deux changements, il faut le préciser, sur deux fameux fronts de l'attaque. Voilà le premier changement, c'est l'arrivée de Yves Yango Prizo qui a donc été titularisé et même aligné pour la toute première fois depuis le début de cette saison et puis dans les buts. La titularisation de Jourdain Bainassem, le transfuge de Astre de Douala qui va donc assurer la défense des cages des Mekok Mengonda cet après-midi. Voilà les deux changements majeurs dans le dispositif du coach Jean-Baptiste Bissek qui est reparti une fois de plus cet après-midi sur un 4-3-3 avec en défense côté droit Junior Stéphane Coué, à l'axe Yves Zoa et Yves Moukoko, côté gauche Alexandre Fouda et Somba, et puis le trio au milieu de terrain c'est bien sûr Francis Balian avec Paul-Henri Tchike et bien sûr Neville Ngongama, et puis en attaque Tombi Alemi, Eba Tobi et bien sûr je vous le disais Jean-Hugues Eyango Prizo qui n'avait plus joué, on va le dire, depuis la première journée de la phase retour du championnat de football MTN Elite One. La saison dernière, c'était face à Colombe du Jean Lobo, où il avait d'ailleurs inscrit son dernier but, c'était le 8e de la saison et le dernier à son actif jusqu'à aujourd'hui. Il retrouve la pelouse, on va le dire, après 5 mois, on va le dire un peu plus, qu'il avait manqué au Canon de Yaoundé. Oui, 5 mois d'absence avec, voilà, bon, suivre cette tentative d'accélération de Tombi Alemi qui est passé sur le côté gauche et qui n'a pas pu surprendre les défenseurs d'Eding Sport de la Laikié. Il faut donc
rappeler que Mouen prise au Yango revient effectivement de blessure et en une demi-saison, la saison dernière, il a terminé meilleur buteur du club avec 8 buts marqués. On peut imaginer que s'il avait terminé la saison dernière, certainement il aurait amélioré son total. C'est un attaquant assez rapide, assez technique, surnommé par certains, peut-être par rapport à sa morphologie, surnommé par certains comme Karl Toko et Kambi. Il faut leur dire que Mouen et Yango sont présents sur le côté droit. Va tenter de fausser compagnie à son vis-à-vis et s'appuie sur Paul-Henri Tuque. Ça revient au milieu du terrain. On va tenter de repartir pour les Canonniers. Et l'équipe du Canon de Yaoundé, on va le rappeler également, je l'ai oublié lors de mon entame, avec ce changement dans les buts, un changement majeur de Jourdain Bainassem qui prend la place de l'habituel titulaire depuis plusieurs saisons, depuis la remontée du club, à savoir James Diaoyang qui n'a pas fait le groupe des 18 cet après-midi. Jourdain Bainassem, finaliste de la Coupe du Cameroun en 2021 avec les Astres de Douala, le club avec lequel il a été demi-finaliste du championnat. Il a Astreyan été éliminé par Coton Sport de Garoua 3-0 avant de céder lors du match de classement face au Canon de Yaoundé. Jourdain Bainassem qui pourrait être à l'honneur dans quelques heures seulement, dans quelques minutes. Alors attention à cette tête qui ne va pas inquiéter Jourdain Bainassem qui est l'un des nominés pour le titre de meilleur gardien but de la saison dernière, puisque la cérémonie du Ballon d'Or est prévue tout à l'heure en début de soirée du côté du Palais des Congrès de Yaoundé. Et l'actuel titulaire, au moment où je vous parle, dans les buts du Canon de Yaoundé, est l'un des nominés pour cette prestigieuse soirée. Ah, il est nominé donc aux côtés d'un autre gardien, un ancien transfuge de Edin Sport de la Lekki. Me semble-t-il, il est toujours à Edin Sport de la Lekki, à la personne de Souleymane Souleymane. Et avec eux, il y a également le troisième gardien, c'est le gardien de Coton Sport de Garoua, il faut le dire. Agnès Déric, qui sont donc, exactement, sont donc les trois gardiens qui sont nominés pour avoir le titre du meilleur gardien de la saison MTN Elite One 2022-2023, la toute première de l'ère Samuel Eto'o, qui commence à attirer foule non seulement dans les stades mais aussi devant les écrans de télévision, parce que la majorité des matchs sont diffusés jusqu'ici par la CRTV et bien sûr parmi lesquels Pacoum TV qui vous retransmet donc à l'instant cette rencontre. On va donc revenir sur la pelouse après avoir fait le point pour justement vous commenter le match en grandeur nature avec cette sortie de touche qui va donc profiter à Edin Sport de la Lekki avec Figo Idimbi qui rejoint avec son latéral gauche. Il y a une faute d'anti-jeu signalée sur Junior Stéphane Coué. La faute est de Zaché Benjamin Boué, le milieu de couloir gauche de cette équipe d'Edin Sport de la Lekki. Et le Canon a quand même envie de renouer avec la victoire puisqu'il est toujours à la quête de sa première victoire depuis le début de cette saison avec deux matchs nuls, 0 but partout en ouverture face à Dragon, une autre bête noire de cette équipe du Canon de Yaoundé. Et puis un but partout contre, c'était du côté de Douala contre Avion Duncam. Les deux équipes n'ont pas pu se départager après une ouverture du score du Canon de Yaoundé. Dragon Avion Duncam avait donc égalisé dans la foulée 5 minutes plus tard, contraignant donc les Mekok Mengonda à faire à être tenu en échec. Voilà ce ballon donc mis en touche par la défense de Edin Sport de la Lekki. Une touche au profit du Canon de Yaoundé avec Paul-Henri Tuque. Tuque qui n'arrive pas a remporté son duel devant le costaud Julien Patrice Bellem, lui également un ancien joueur du Canon de Yaoundé qui était parti, on va le dire, au terme de la première saison du projet Kwaku Misbak. Lui qui a fait toute une saison pratiquement blanche la saison dernière avec son problème de licence. On estimait que la licence n'avait pas été délivrée par la Fédération Camerounaise de Football. Ça l'avait contraint donc à s'entraîner avec l'équipe de... Ah, il tombe bien lui. Ah, il a perdu ce ballon. Récupéré par Edin Sport de la Lekki. Avec Figo. Figo et Dimbi. Toujours sur la balle. Belle récupération de Francis Balian qui la perd dans la foulée avec
Belembe. Belembe pour Prince Junior Simé au milieu de terrain avec Luiz Edouanemba. Avec latéral gauche, Karl Franck Sizanga. Ballon récupéré par les Mekong Mengona avec Balian qui tente de lancer la contre-attaque. Et Tique, pour la Tique dans l'intervalle pour Tombi Alemi. La sortie du gardien qui maintient son équipe en vie. La magnifique sortie d'Adouassou. Qui avait très bien lu en tout cas la passe en profondeur délivrée extérieur du pied par le maître à jouer des Mekong Mengona pour Paul-Henri Tique. International U23. Et ballon dans les pieds des Dingsport d'Alekier. Le centre dans la surface. La sortie de Jourdain Bainassem. Le grand, le géant, 1m98 me semble-t-il. Du 94, voilà, pour être plus précis, le grand gardien du Canon Yaoundé qui joue donc son tout premier match titulaire avec ses nouvelles couleurs. Lui qui était le gardien titulaire incontesté la saison dernière des Astros de Douala, parti de ce club, tout comme son coéquipier Kamta Julien, comment il s'appelle Kamta. Voilà, Didier, exactement. Garrick, Didier Kamta, voilà, je cherchais. Voilà, j'ai trouvé. Ce sont les deux joueurs qui sont donc les deux coéquipiers qui ont quitté les Astres de Douala pour rejoindre le Canon Yaoundé au terme de la saison dernière. Ballon perdu par Ebatobi qui est donc récupéré derrière, heureusement, avec la récupération de Moukoko. Grand-Neville qui écarte côté droit avec Yango. Yango en 1 contre 1. Le centre de Yango. C'était pour Tombi Alemi, mais finalement il y a eu cette intervention de la défense. On voit le Canon Yaoundé Thomas Bellébier beaucoup plus présent d'ailleurs dans la surface des dignes, même si on n'a pas encore véritablement d'occasion qui pourrait faire mouche, à part la tête de Yves Moukoko dans les 10 premières minutes du jeu. Oui, on n'est pas passé loin avec une autre occasion qui a failli profiter au Canon Yaoundé avec cette belle ouverture de l'extérieur du pied droit pour Paul-Henri Tique pour servir comme ça. Tombi Alemi, c'était à la 28e minute, malheureusement, pour les canonniers. Il y a eu cette belle anticipation, la belle sortie du gardien des Dingsports de l'année qui est Eli Mathieu Adouassou, qui a donc réussi à enrayer cette velléité des canonniers. Canon de Yaoundé qui continue donc de chercher la solution dans cette défense des Dingsports de l'Alekia, alors que nous avons dépassé la demi-heure de jeu. Une équipe du Canon de Yaoundé qui cherche encore quelques automatismes pour se montrer un peu plus fluide dans son jeu. Les Mekong Mengona qui, jusqu'ici, comme Steve Gabengena le disait, ne se montrent dangereux que de manière intermittente. Donc difficile vraiment de porter le danger dans la surface d'une équipe des Dingsports qui est assez bien regroupée jusqu'ici cet après-midi, qui subit certes le jeu mais qui ne plie pas. Les deux clubs, on va le rappeler, ont des joueurs qui ont évolué dans l'un des deux camps de deux côtés. On a signalé Julien Belem côté Canon Yaoundé qui aborde le 207, et puis il y a sur le banc de touche Ulrich Zong, l'ancien gardien du Canon Yaoundé. Il n'a pas véritablement eu la chance d'être titulaire la saison dernière, il n'a disputé qu'un match. Et du côté du Canon Yaoundé, le capitaine c'est Yves Moukoko, l'ancien capitaine des Dingsports de l'Alekié la saison dernière, capitaine des Lions Indomptables à prime. Et puis sur le banc du Canon Yaoundé, on a le coach Jean-Baptiste Bissek qui a été de l'autre côté, c'est-à-dire sur le banc des Dingsports de l'Alekié, avec lequel il a d'ailleurs remporté la Coupe du Cameroun en 2018. Jean-Baptiste Bissek qui aimerait réaliser des performances similaires sur le banc du Canon Yaoundé qui court après un titre national depuis maintenant 21 ans. Et la saison 2001-2002 qui avait donc vu le Canon être sacré champion du Cameroun pour la dernière fois, c'était du côté de Garoua. Un mémorable match nul, un but partout face à Coton Sport de Garoua. On va revenir sur le terrain avec ce coup franc que va d'ailleurs jouer l'ancien canonnier Julien Belem, le numéro 7 des Dingsports de l'Alekié, qui a positionné ce ballon. Le mur du Canon de Yaoundé constitué de Fouda et de Tombi Alemi est en place. Jourdain Bainassem également tente de faire de grands gestes dans sa surface pour bien positionner ses défenseurs. 33 minutes de jeu. Il faut être concentré sur ce type d'action. Et le mur du Canon de Yaoundé qui dévie ce ballon, ce sera un corner pour Dingsports de l'Alekié qui
véritablement n'inquiète pas son adversaire, mais qui ressort très bien le ballon et qui peut parfois, s'il avait l'occasion de pousser ses actions jusqu'au bout, se montrer un peu plus dangereux aux défenseurs du Canon de Yaoundé d'éviter que cela arrive. Le corner, le ballon qui s'est élevé, qui passe devant tout le monde et le Canon de Yaoundé va pouvoir ressortir avec Eyango qui a tenté de... Il a échappé à son vis-à-vis sur la droite. Eyango qui parvient à centrer pour Tombi Alemine. Malheureusement non, le gardien doit se une nouvelle fois bien positionner. A capté ce ballon, ça le bon jaillissement de Fouda devant Julien Bellet, il parvient à centrer. Oh, personne dans la surface. La défense de Dingsport dans l'équipe qui tarde à dégager ce ballon mais qui garde le contrôle. Le Canon de Yaoundé véritablement face à une équipe bien regroupée, bien vigilante de Bonaventure, John Kemp, cet après-midi, cherche toujours la solution alors que nous entrons dans les 10 dernières minutes de cette première mi-temps. Dans les prochaines secondes, le ballon, une nouvelle fois, de Neville dans les bras d'Eli Adouassou. Julien Bellem qui tente de remonter avec le capitaine Figo Edimbi. Il est contré par l'ancien joueur de Dingsport, qui est l'ancien capitaine Yves Domoukoko, qui repositionne d'ailleurs ses hommes. Le Canon de Yaoundé qui reste. Attention là, le dégagement de Stéphane Coué. C'était limite dans la surface du Canon de Yaoundé. Et c'est Paul-Henri Tchikeu qui va tenter de sonner la révolte côté Canon. Son ballon va mourir en touche. Une équipe du Canon de Yaoundé renouvelée à près de 80% qui cherche encore ses automatismes. On va d'ailleurs préciser qu'il y a 4 entrées dans le groupe des 18, 4 joueurs qui font leur entrée dans le groupe des 18 par rapport à ce match et 2 sont titularisés dans cette saison. Pour ce match étant pour moi, en attendant que ceux qui sont sur le banc de touche apportent le plus nécessaire le moment venu. On continue. Espérer que dans les prochaines minutes, le vert et rouge peut-être sur ce ballon de Tombi Alemi dans la surface. Tombi Alemi qui conserve bien son ballon, qui résiste et qui va bénéficier d'un coup franc, oui. Un coup franc bien placé sur le côté gauche. Il faut exploiter ce genre d'occasion, Steve Gabenguena. Il faut exploiter les balles arrêtées lorsque la défense est bien regroupée. Essayer d'exploiter les balles arrêtées pour trouver la faille. Ouais, effectivement, il va falloir insister sur ce plan-là. On l'a vu sur un coup de pied arrêté avec la tête de Yves Moukoko en début de rencontre, qui a été sauvé sur la ligne par la défense des Dingsport de la Léguier. Et voilà, quand ça ne passe pas par l'axe ou par les côtés, il faut peut-être être plus décisif sur les coups de pied arrêtés. Et il va falloir cette fois-ci être beaucoup plus concentré. Peut-être que ça passera par là. En tout cas, on va suivre de près cette action alors que dans la surface, l'arbitre essaye de remettre à l'ordre. Le centre de Balay en premier poteau, une fois de plus mal ajusté par le numéro 8 de Mekok Mengonda, Ngonéville, qui trouve Balay en une position de hors-jeu de la part du milieu de terrain du Canon de Yaoundé. Une action qui va donc permettre à la défense des Dingsport de la Léquier de se relancer. C'est Vincent Bala qui va donc se charger de dégager le camp. Déjà 38 minutes de jouer depuis le début de cette rencontre. Toujours 0-0 entre le Canon de Yaoundé et Dingsport de la Léquier. Un mauvais ballon de la part de Figo et Jimbi, qui a donc profité à Alexandre Fouda et Somba. Le dégagement du défenseur du Canon de Yaoundé et le contrôle manqué de Eba Tobi. Il y a une petite faute sur Tombi Alemi. Et bien vu par l'arbitre, ce qui a donné un coup franc au Mekok Mengonda. Balian qui joue avec Paul-Henri Tchikeu dans le rond central.
Tchik avec Julien Stéphane Coué qui tente de trouver Yango. Ballon mal donné et dégagé par Franck Chizanga. Un ballon dans les pieds des Ding avec Zanga. Zanga qui tente de trouver Agbor. L'intervention de Yves Zoa. Figo. Figo toujours sur la balle qui est bien poursuivi par Balian qui laisse passer avec Zanga. Le centre de Boué dans la surface, la sortie de Jourdain Bainassem qui va relancer immédiatement avec Gondéville. Gondéville qui joue avec qui toujours sur le ballon. Gondéville qui va le perdre, récupéré à la régulière par Mbiakop qui joue avec Belém. Belém, Figo, toujours Figo à la balle qui touche, qui trouve Belém, il n'y a pas en jeu. La frappe de Belém sur le poteau, sur le poteau. Heureusement il y avait une intervention de Jourdain Bainassem qui a donc empêché le milieu de couloir des 10 points d'aller et d'ouvrir le score. Voilà, 41e minute de cette rencontre. Quelle belle parade de la part de Jourdain Bainassem. C'est pas terminé. La balle est toujours dans le camp. Ah, c'est une touche qui est donc accordé à cette équipe de Dinsport d'Aleké. Non, c'est pas les noms qui jouent, c'est ceux qui ont la volonté. Et ballon pour Louimba. Récupération derrière de Eyango. Gondéville qui joue avec Tombi. Le ballon mal donné pour Tombi Alemi. Mbiakop avec Simé. Simé pour Mbiakop. Simé une fois de plus. Figo. Figo et Jimbi qui trouve Simé, récupéré par Gondéville avec Balian qui tente de donner la profondeur pour Yango. C'est passé, c'est passé pour Yango. Yango qui entre dans la surface, qui a toujours le ballon, la frappe de Yango. Oh, mais c'est pas cadré, c'est pas cadré. Et l'arbitre estime qu'il y avait une faute de main de la part du milieu de couloir du canon du Yaoundé. Il a envie, ça se sent, Yango, Thomas Belibi, il a envie de renouer en tout cas avec le chemin des filets, même si jusqu'ici ça ne lui sourit pas véritablement. On sent quand même un joueur qui a faim de but et qui a faim de faire preuve de son énorme talent. Oui, effectivement, ça se ressent dans ses prises de balles, dans ses accélérations. Il y a une certaine volonté qui se dégage de son attitude sur le terrain, cette volonté de retrouver l'instinct de tueur qui était le sien la saison dernière, où il a été très efficace. Et je crois que depuis qu'il est passé du côté droit, il se montre un peu plus percutant. Je pense qu'avec le temps, avec l'évolution du match, un match qui s'anime de plus en plus, et Yango aura la possibilité de trouver la faille, d'inscrire ce but fatidique peut-être encore sur ce ballon où il a la possibilité d'accélérer. Malheureusement, c'était trop fort. Cette rencontre qui s'anime véritablement depuis quelques minutes, on va saluer comme ça la belle performance de Jourdain Bainassem qui a réalisé là un arrêt majeur face à l'ancien canonnier Julien Belém à la 41e minute. Cette frappe qu'il dévie du bout des doigts en corner qui frôle pratiquement son poteau droit, alors que les milieux dieux ici au stade de Ngouaïkélé avait vu le ballon au fond des filets. Jourdain Bainassem vient de justifier là son statut de nominé parmi les meilleurs gardiens de la saison. Côté canon de Yaoundé, il faut s'appliquer également sur les balles arrêtées. On va revenir il y a quelques minutes sur ce coup franc mal joué une énième fois par Francis Balian. C'était pratiquement son troisième coup franc dans cette première mi-temps qui a été mal exploité. Et pourtant, dans des positions où il avait la possibilité de se montrer véritablement dangereux avec ses coéquipiers. Un peu plus d'application donc pour le numéro 8 du canon Yaoundé, véritable sentinelle du milieu du terrain, mais qui manque encore de ce petit quelque chose sur les balles arrêtées. Alors que là, c'est la défense du canon Yaoundé qui récupère ce ballon proprement et qui va tenter de repartir alors qu'on est rendu à la 44e minute comme ça. Dans les prochaines secondes, le quatrième arbitre de cette rencontre, à savoir Marc Doko, va présenter le temps additionnel de cette première mi-temps. Et tel que les choses se
présente ici au stade de Ngouaïkélé. On pourrait se servir encore un 0 but partout pour le Canon des Yaoundé en première mi-temps. Depuis le début de la saison, le Canon des Yaoundé n'a toujours pas réussi à marquer en première période. Et avec ces dernières minutes, ces dernières secondes de la première manche, ce ne serait pas surprenant que les choses ne changent pas. Ah ouais, on espère en tout cas une ouverture du score de la part du Canon des Yaoundé avec un grand Nevi qui réussit à toucher Eyango. Il y a un problème de justesse technique de part et d'autre depuis le début de cette rencontre avec des passes mal données, parfois pas dans le bon tempo. Et puis c'est un match qui se joue un tout petit peu de manière hachée avec Kigo qui trouve Julien Patrice Bellem sur le côté droit. Bellem qui va tenter de fixer son vis-à-vis Founès Omba qui met dans la surface. Dégagé par Yves Zoha, récupéré au milieu de terrain avec Simé qui joue avec Bala. Le dégagement contré par Paul-Henri Tchikeu. Ndonéville qui joue pour Tombi Alemi. Et sans prendre de risque, Armand Biakop va donc mettre ce ballon en touche. Fula avec Tombi Alemi. Tombi Alemi, la frappe de Tombi Alemi au-dessus des buts. Et le ballon toujours pour Reading, récupéré au milieu de terrain par Francis Balian. Grandéville, il y a un 4 contre 3. Grandéville qui tente de trouver Batobi. Finalement, Tombi Alemi qui rejoint Lengang. Ils ne se sont pas compris. Ils ne se sont pas compris, les deux coéquipiers. Ballon récupéré par Balian qui se fait contrer. Fula et Somba avec Balian, une fois de plus, ils sont nombreux dans la surface. Et ballon pour Batobi, le contrôle. Et il s'est écroulé. L'arbitre estime qu'il n'y a rien. Il y avait même une position de hors-jeu signalée par l'assistant numéro 2 de cette rencontre. Et c'est de cette justesse technique là que je parlais, Thomas Belibi. Et voilà encore sur cette action, si les Canoniens avaient été beaucoup plus concentrés, beaucoup plus décisifs, ils auraient peut-être trouvé la faille. Mais on voit un manque de concentration, un manque de cohésion, un manque d'entente entre les équipes alors que l'arbitre est obligé de renvoyer les 22 acteurs au vestiaire. Toujours 0 but partout entre Edith Sport d'Aleki et Canon Yaoundé. Il va falloir beaucoup de temps, beaucoup de travail aux canonniers pour trouver la bonne carburation, les bons automatismes. N'oublions pas que de nombreuses recrues n'ont pas encore eu la possibilité de prester. Et on peut comprendre, avec un effectif renouvelé à 80%, les nombreux déchets apparus dans la communication, dans la cohésion du jeu du Pacoum qui se cherche encore après deux matchs et demi. Il va falloir trouver la solution. On va montrer notre fair play en saluant du côté des Dingsport l'Aleki qui est la belle performance au niveau de l'axe de la défense centrale de Vincent Palafoué, le numéro 4 de cette défense, ce joueur au teint clair qui est un ancien de la maison du côté des Dingsport. Il était dans l'équipe qui a remporté le championnat en 2017 et la coupe en 2018. C'est un joueur d'expérience et je crois que si le Canon des Yaoundé ne trouve pas la faille dans la défense des Dingsport de l'Aleki cet après-midi, c'est en partie à cause de ce numéro 4, Vincent Palafoué. Ah, effectivement, Vincent Balafoué, justement, qui crée énormément de problèmes, justement, à cette attaque du Canon de Yaoundé. Le joueur de teint clair, le dossier numéro 4 de cette équipe des Dingsport de la Lekié, qui, avec ses nombreuses interventions, permet donc à son équipe d'être toujours de tenir le Canon de Yaoundé en échec. On va marquer rapidement une courte page de pub, on va se retrouver juste derrière pour analyser cette première mi-temps et nous projeter sur la deuxième partie de cette rencontre. Allez, va voir ça.
mis ça en charge. C'est là-bas au but. Thank you.
Presnel Nga, voilà. Fabrice Nga qui est donc remplacé par. Qui remplace donc autant pour moi Alexandre Fouda et Somba qui va donc évoluer avec le SA numéro 23 et sa coiffure. On va dire. Sa coiffure un tout petit peu fantaisiste qui va donc occuper le couloir gauche sur le plan défensif et en attaque. Et Batoubi sans surprise donc cède sa place à Emmanuel Mahab, le transfuge de Akunongi en Guinée équatoriale, qui est venu, on va le dire, dans les valises de Jean-Baptiste Bissek. Et c'est donc reparti ici au stade de Ngoa Ikele avec Edix Pond Laleke qui met le pied sur le ballon, même s'il a tout de suite rendu au canon Yaoundé avec Yves Zoha. Stéphane Koué qui reprend avec Jourdain Bainassem, avec Yves Moukoko qui touche pour Henri Tiqueux. Le long ballon d'Yves Moukoko pour la première déviation de Emmanuel Mahab. C'est ce qu'on demandait depuis au canon Yaoundé. Emmanuel Mahab qui joue en 1-2 avec Jean-Hugues Eyango Prison. C'est pas terminé. Eyango qui joue avec Nga. Le centre de Nga dégagé par la défense des Dingsport de la Léquée. Emmanuel Mahab. Belle intervention de Yves Zoha. Ça joue à la régulière, monsieur l'arbitre. Moukoko. Nga. Qui joue avec son capitaine Moukoko. Avec Yves Zoha. Ganeville. Qui a toujours ce ballon. Qui va donc être remis sur décision arbitrale à Edix Pond Laleke. Mahop qui est écarté de la main par le défenseur de Edix Pond Laleke. Au dossard numéro 3, Samuel Fomba. Le ballon qui reprend un tout petit peu avec un peu de bagarre. Hein. Beaucoup de duels, beaucoup de contacts entre les deux adversaires, Thomas Bellimi. Son imposante masse physique va certainement lui être utile dans les duels au cœur de cette défense de Dixport de l'équipe, ce qui manquait certainement un peu à Toby Eba dans, lors de la première mi-temps. Emmanuel Mahab qui effectue donc cette première minute comme ça sous le maillot du canon sportif de Yaoundé. Lui, vous l'avez signalé, qui nous vient de la Guinée équatoriale avec le club d'Akunangi FC, club sous le maillot duquel il a été meilleur buteur du championnat de Guinée équatoriale la saison dernière avec 24 buts au bout de 22 journées. C'est donc un serial buteur. S'il venait à confirmer ses statistiques dans le championnat camerounais, vous pouvez imaginer donc qu'il va faire beaucoup de bien au club de Kondongo. Emmanuel Mahab qui a évolué successivement sous les couleurs de Fovu de Baham, Sable de Batier, l'Union Sportive de Douala ou encore Douala Athletic Club. Donc c'est un monsieur qui connaît bien le football local, même s'il s'est expatrié certainement pour gagner un peu plus en expérience. Et il a été champion de Guinée en 2021, donc de quoi, avec tous ses bagages, apporter quelque chose en plus au canon de Yaoundé. On va également signaler, hein, vous l'avez relevé, l'entrée de Fabrice Nga, l'international. C'est d'ailleurs le seul pour l'instant, l'international, du canon dans l'effectif du canon de Yaoundé. Lui qui est, vient de Cléopâtre Céramica, club égyptien. C'est le dernier club sous le maillot duquel il a évolué il y a de cela un an. Il a donc décidé d'apporter son expérience, son vécu, le joueur de 24 ans, Fabrice Nga, qui a notamment participé lors aux derniers éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 avec les joueurs indomptables. Il a participé à 3 rencontres, Fabrice Nga. Il a joué contre le Rwanda, contre le Mozambique et contre le Cap-Vert. C'est donc un joueur doté d'une certaine expérience au niveau de la Elite One. Et on va signaler que Fabrice Nga a été vainqueur de la Super Coupe d'Afrique sous le maillot du Raja de Casablanca en 2019 avant de remporter le titre de champion du Maroc un an plus tard avec donc le même club du Raja de Casablanca. Et au niveau, pour compléter sa carte de visite, il a été sacré champion du Cameroun en 2016 et en 2019 sous les couleurs de l'Union Mouvement Sportif de Loum, UMS de Loum. Donc c'est un joueur bardé d'expérience qui va certainement apporter un peu plus offensivement lorsqu'on connaît son expérience, lorsqu'on connaît sa capacité d'accélération. Il va se montrer certainement un peu plus offensif que le solide Fouda qui a rendu une copie pour moi assez respectable de cette première mi-temps. D'ailleurs, depuis le début de la saison, Fouda est l'une des réussites du canon des Yaoundé. Je crois que Fabrice Nga qui le remplace va le remplacer valablement avec
un plus au plan offensif. On va suivre ce coup franc d'Eding Sport dans la surface, dans le camp du Canon des Yaoundé. Et c'est Franck Chizanga qui va donc s'élever. Et c'est dans les bras directs de Jordan Bainassem qui va lancer avec Eyango. Ballon dégagé en touche par Armand Biakop. Eyango qui joue rapidement avec Paul-Henri Tiqueux, qui on va le dire n'est pas au top de sa forme depuis le début de cette rencontre. L'international U23 du Canon de Yaoundé. Stéphane Coué qui touche Tombi Alemi sur la ligne. Le centre de Tombi Alemi. Et Eyango qui a intervenu malheureusement. Il a manqué cette intervention dans la surface de réparation alors qu'il tentait de remettre en retrait pour Emmanuel Mahop. Il a manqué sa remise. Et voilà en profondeur pour Agbonso Ibezoa qui intervient. L'arbitre estime qu'il n'y a pas faute sur le défenseur canonnier. Figo et Dimbi qui trouve côté droit, c'est pas, il n'y a pas en jeu. Belém, le centre de Belém. Et la sortie de Bainassem qui est très à l'aise, on va le dire, sur sa ligne de but depuis le début de la partie. La contre-attaque côté Canon de Yaoundé avec Balian qui touche un Gondéville. Gondéville pour Tombi Alemi. Tombi Alemi qui tente de se débarrasser de son vis-à-vis. Tombi Alemi toujours. Finalement qui a donné le dos au but avec Stéphane Coué. Le centre de Coué. Et là, oh là là, il y avait cette tentative d'intervention de Emmanuel Mahop. Mais il y a un autre portier qui reste imperturbable sur sa ligne. C'est bien sûr Mathieu Adouassou, le gardien des Dingsport de la Léquié. Et qui va manquer quand même de justesse sur ce dégagement directement dans les bras de Mailassem qui relance avec Moukoko pour Paul-Henri Tiqueux. Qui touche très bas les ballons depuis le début de cette rencontre. Lui qui était pourtant censé être le milieu offensif de ce trio. Du milieu de terrain canonnier. Tombi Alemi, Bonneville, Baliang. Qui joue avec son capitaine Moukoko. Avec Paul-Henri Tiqueux. Qui n'arrive pas à se débarrasser de son vis-à-vis. Il est bien muselé le dossard numéro 20 du Canon. Moukoko avec Ibezoa. Gondéville qui perd pas plus ce ballon au milieu de terrain, récupéré par Figo qui touche Agbor. Agbor toujours sur le ballon qui va jouer côté gauche avec Zaché Boué toujours sur la balle qui joue avec Agbor une fois de plus. Chizanga, le centre de Chizanga. Bainassem saisi du ballon qui relance avec Paul-Henri Tiqueux. Baliang, il est seul, il n'a pas vu côté droit. Tombi Alemi avait fait pourtant l'appel, mais c'est Fabrice Nga qui évolue sur le côté gauche qui centre et c'est dévié par Vincent Bala. On repart quand même sur les mêmes bases, hein, Thomas Bellibi, que dans la première période avec des occasions imprécises, des tentatives d'offensive qui manque de réussite et de maîtrise. Et ce centre de Nkwe Ngorneville qui a du mal à se saisir du ballon qui joue avec Tombi Alemi. Ballon donné à contre-temps et récupéré avec la contre-attaque des Dingsport de la Léquié avec Zaché Boué qui se débarrasse de Ngorneville qui joue avec Agbor. Il n'y a pas en jeu. Agbor se retrouve dans la surface. Toujours Agbor qui centre au deuxième poteau. Et ballon dégagé par Fabrice Nga. Tique qui manque sa passe. Biakop qui joue avec Zaché Boué. Le centre de Zaché pour Belém. La tête de Belém déviée par Fabrice Nga. C'est pas fini. Ballon toujours dans les pieds des Dingsport de la Léquié avec Belém. La frappe de Belém directement dans les bras de Fabrice de Jourdain. Bainassem. Voilà enfin une occasion en tout cas bien menée par cette équipe des Dingsport de la Léquié qui a pressé et qui a mis un peu de pression dans le camp du Canon de Yaoundé.
une équipe qui a su profiter des moments de flottement au corps du milieu de terrain et de la défense du Canon de Yaoundé qui a connu donc un passage à vide ces dernières secondes. Il faut se ressaisir rapidement parce que ce sont des actions qui sont susceptibles de permettre à l'adversaire de gagner en confiance. Et le Canon de Yaoundé, lui, cherche constamment à sortir de ses errements aussi bien défensifs qu'offensifs. On l'a encore vu à la 50e minute avec ce ballon, cette remise mal ajustée de Yango qui a pêché par précipitation. Et il faut signaler que lors de la causerie de la mi-temps, le coach Jean-Baptiste Bissek s'est appesanti dessus. Il a parlé à son attaquant, il lui a conseillé de se montrer posé, d'être calme même s'il y a la pression pour beaucoup de joueurs sur ce terrain, de la présence du staff technique des Lions Indomptables du Cameroun, au grand complet qui est arrivé dans quelques minutes avant le coup d'envoi de cette rencontre, conduit par le manager sélectionneur Rigobert Sombahanak, qui est donc accompagné de ses adjoints. Et on peut apercevoir tout à côté de lui notre confrère, le média officiel, le team press des Lions Indomptables, Thierry Elindo, qui... Malheureusement, il y a quelques jours, comme ça, on lui fait un coucou, Eli Thierindo, qui est abonné à notre page et qui est un supporter du Canon de Yaoundé. On va trahir ce petit secret, qui a perdu il y a quelques jours sa sœur aînée dans des moments difficiles pour le team presse des Lions Indomptables. Espérons pour lui qu'il va surmonter cette période difficile. Alors qu'il y a deux nouveaux remplacements qui sont annoncés côté Canon de Yaoundé. Medou, le numéro 22, Marc Medou, qui a fait belle impression contre Avion Duncam le week-end dernier. Et puis, Aboubakar Dansoho, Aboubakar Adamou, le numéro 21. Les deux joueurs vont entrer dans les prochaines secondes dans le camp du Canon de Yaoundé pour apporter un peu plus de percussion. Alors que là, c'est Edding Sport de Relequier qui se déporte dans le camp du Canon de Yaoundé. Superbe retour de Nga qui fait parler toute son expérience. Je crois que ce sont des joueurs qui, au plan de la puissance et de l'expérience, vont faire du bien à cette équipe du Canon de Yaoundé qui, depuis quelques minutes, est en train de perdre un peu pied dans cette rencontre. On va suivre cette action avec le nouvel entrant Maxwell qui perd ce ballon devant Batankoui. Tombi Alemi qui va donc mener cette contre-attaque. Le virementant Tombi Alemi qui manque son contrôle. On a l'impression que le transfuge du Coton Sport de Garoua n'est pas dans son match. Il n'est pas dans. Il ne fait pas avoir l'impression cet après-midi. Ballon sur le côté avec Maxwell qui ne va pas réussir à le jouer. Et ce sera une sortie de but. Et on va donc procéder. Le premier remplacement, c'est la sortie de Francis Tombi Alemi qui sera donc remplacé par Aboubakar Danso Adamou, l'ancien joueur de... qui nous vient d'Argentine en deuxième division, Atlético Rafaela. Et puis Ngong Neville également sans surprise qui va donc céder sa place au jeune Marc Medoumbela. Marc Medoumbela, le transfuge de Lausanne, Sport d'Anguissa, qui avait donc éliminé, on va le dire, qui était passeur décisif sur le but, qui avait éliminé le Canon de Yaoundé au 16e de finale la saison dernière en Coupe du Cameroun. On espère qu'il va apporter de la lumière dans ce milieu de terrain avec Paul Ritique, l'intervention à la régulière par notre ami Armand Biakop, le défenseur des Dingsport de la Vecchie. Baliang obligé de replier avec Moukoko. Ivezoa qui manque de solution, qui finalement est obligé de replier avec son capitaine. Nga pour l'Oritique qui est passé. Pour l'Oritique qui joue avec Yango. Il est resté attentiste. Yango sur ce ballon. Il aurait pu aller le chercher, mais il a espéré que l'intervention du défenseur des Dispo de la Vecchie ne soit pas suffisante, mais malheureusement pour lui. Il va encore patienter s'il veut ouvrir le score. Moukoko qui dégage et c'est contré par Julien Patrice Belemba. Alors qu'on est en train d'entrer, Thomas, dans les 60 premières minutes de jeu. On joue la 60e minute de jeu depuis le début de cette rencontre. Toujours 0-0 entre les deux équipes.
Et toujours pas de véritable occasion pour se mettre en danger. Obuaka qui va donc concéder une faute sur son premier ballon. Julien Stéphane Koué qui va donc demander à ses coéquipiers de se replacer. Et il va falloir mettre ce ballon dans la bonne zone si on veut inquiéter Mathieu Adouassou. Stéphane Koué qui joue avec Abaka dans la profondeur. Le centre d'Abaka pour qui? Pour personne. Si ce n'est Armand Biakop qui va donc relancer son équipe. Directement sur Moukoko. Qui tentait de jouer avec Marc Medou. Mais finalement, le ballon est très long. Récupéré par Figo. Il y a une position de hors-jeu. Signalé. Et c'est le canon qui va donc se relancer avec Yves Ozoa. Stéphane Koué qui joue pour personne. Toujours dans ce manque de justesse technique depuis le début de la rencontre. Simé qui est passé. Simé toujours sur cette balle qui joue avec Belém. Belém qui tentait de trouver Agbor en profondeur. Ah non, le voilà Agbor cette fois-ci. Qui trouve Maxwell. Maxwell. Toujours sur le ballon Maxwell. Avec Louimba. Shizanga. Qui perd ce ballon. Récupéré par Abaka. Amedou. Qui trouve Paul Henri Tiqueux. Qui joue dans la profondeur avec Emmanuel Marop. Et qui tentait d'alerter Yango Priso. Mais il y a cette intervention de la défense des Dixpoints de la Lekié. Et ce sera une faute concédée par l'attaquant numéro 28. Dembe Kormengonda, Emmanuel Marop. Une action Thomas Belibi qui aurait pu profiter au canon Yaoundé dans ce contre. Emmanuel Marop qui avait été bien trouvé par Paul-Henri Tiqueux, lui qui cherchait d'alerter Jean-Hugues Yango Priso, mais malheureusement il a été stoppé net par le défenseur des Dixpoints de la Lekié. Je pense effectivement que c'est le défenseur qui a très bien joué le coup. Il a anticipé sur le jeu en première intention de Marop qui avait sur cette balle, sur ce jeu à une touche de balle. Il avait donc l'intention de trouver Eyango qui était en train de se démarquer. Malheureusement pour le compartiment offensif du canon des Yaoundé, la défense des Dixpoints est restée vigilante. Une équipe des Dixpoints de la Lekié qui est un peu plus entreprenante dans cette seconde période, qui porte un peu plus le danger dans le camp du canon des Yaoundé. L'avantage pour la fluidité du jeu, c'est que le ballon va d'un camp à l'autre, mais les approximations de part et d'autre plombent encore les efforts des 22 acteurs. On espère pour le canon des Yaoundé sur ce corner de Stéphane Koué que les choses vont se décanter. Il y a un léger mieux côté canon, même si Edding Sport a su contenir l'équipe du canon Yaoundé. Il y a un léger mieux dans cette seconde mi-temps. Mais la faille tarde à arriver face à une équipe d'Edding Sport de la Lekié avec ce Maxwell qui montre de belles choses, de bons jaillissements de Fabrice Nga qui est en train de confirmer tout le bien qu'on connaît déjà de lui. Le bien qu'il a démontré dans les différents clubs où il est passé, notamment UMS de Loum et Yango qui cherche la solution. Medou qui a la possibilité de frapper, c'est bien tenté, même si ça passe largement au-dessus des buts gardés par Eli Mathieu Adouassou. Le jeune Marc Medoubella qui a fait une belle entrée la semaine dernière contre Avion Duncan et qui espère rester certainement dans les mêmes dispositions. Lui qui va renvoyer ce ballon de la tête sur ce terrain du stade Ngouaïkélé où il a fait des misères à ses coéquipiers d'aujourd'hui. C'était il y a quelques semaines. Aboubakar Danso, le Neymar de la briqueterie qui parvient à servir, c'est son surnom, qui parvient à mettre le ballon dans la surface, mais il tombe sur les défenseurs des Dixpoints de la Lekié. Déjà 63 minutes de jeu. Et le canon des Yaoundé qui n'a toujours pas trouvé la solution dans cette rencontre. Peut-être sur cette action, malheureusement dégagée une nouvelle fois par une défense très bien regroupée, une défense hermétique. Attention là, cette faute
en faveur du Canon Léaoundé. Le défenseur a été bousculé. On a pensé un instant que c'est plutôt la défense du Canon Léaoundé qui avait perdu ce ballon. Et là, c'était un ballon de contre qui se dessinait pour le Canon Léaoundé. Heureusement, l'arbitre a été vigilant pour les canonner le ballon. Et Yango qui fait l'effort, malheureusement, il est sorti. Beaucoup de déchets, beaucoup d'approximations dans le jeu du Canon Léaoundé. Il faut trouver la bonne subtilité, le bon tempo entre la dernière passe et la finition. Et je crois que ça va finir par payer. Il y a encore près de 26 minutes dans cette rencontre. Il y a du temps pour forcer la décision dans cette rencontre et remporter le premier succès de la saison qui tarde à arriver côté Canon Léaoundé. Effectivement, c'est un début de saison plutôt laborieux de la part de Mekor Mengonda depuis le début du projet Kwakoumis Bark. La première saison, on avait commencé par une victoire sur les Astres de Douala, 1-0, avant une défaite sur la Pégase de Fou. Et lors de la troisième rencontre, c'était une autre victoire face à Yon Sport Academy de Bamenda. Et la saison dernière, les cinq premiers matchs, c'était cinq victoires pour les Mekor Mengonda. Pour l'instant, on est sur trois matchs sans victoire, mais également une bonne une satisfaction. Ça fait trois matchs sans défaite pour le coach Jean-Baptiste Bissek. Mahop qui est trouvé dans la surface. Mahop qui réussit à se retourner toujours avec Eyango, avec Chike plutôt. Danso qui trouve Fabrice Nga. Fabrice Nga, le crochet, le centre pied droit, la tête de Mahop. Mahop. Quel bon jaillissement de la part de l'attaquant du Canon Léaoundé qui manque de justesse. Cette intervention de la tête qui file au-dessus des buts de Mathieu Adouassou. Une très belle action. Je pense qu'il a manqué juste de réussite sur cette action. Une belle action bien amenée. Je crois que c'est la première véritable occasion qu'il s'offre sous les couleurs du Canon Léaoundé. Je crois qu'avec de la persévérance, il va finir par réussir. On a vu il y a quelques minutes encore de cela sa balle qui a été contrée de justesse. Je crois qu'avec du temps, il finira par trouver ses marques au sein de cette équipe du Canon Léaoundé dont l'attaque peine à se montrer efficace en ce début de saison. Trois matchs déjà et un but seulement pour l'attaque. Une attaque annoncée pourtant prolifique, une attaque qui avait montré de belles choses la saison dernière, autant pour moi, qui a été renouvelée. Même si on a conservé un joueur comme Eyango, qui malheureusement pour les supporters du Canon Léaoundé a été longtemps blessé la saison dernière. On a donc assisté au recrutement de plusieurs joueurs et le temps que la mayonnaise prenne, de trouver les bons les automatismes, je crois que ça finira par venir. Et le Canon Léaoundé au milieu de terrain avec Balian qui temporise, qui cherche la solution, il résiste au capitaine de l'équipe des Team Sports de la Lekki, le capitaine Figo Edimbi. C'est la possibilité pour Tite qui lève trop son ballon, mais Eyango va faire l'effort pour récupérer ce ballon. Ça va être une nouvelle opportunité pour le Canon Léaoundé qui se montre un peu plus pressant. Depuis quelques minutes, le beau ciseau bien exécuté par Aboubakar Dansoho, mais ça ne paye toujours pas. Effectivement, ça ne paye toujours pas cette belle reprise de volée de la part de Aboubakar Dansoho Adamou qui est complètement dévissé, on va le dire, qui manque de puissance pour inquiéter Mathieu Adouassou qui continue jusqu'ici de garder ses cages inviolées. Bainassem avec Moukoko et le canon qui commence à mettre la pression sur cette équipe de Ding. Ivezoa qui est obligé de replier avec Bainassem. Le dégagement de Bainassem pour personne, si ce n'est pour Vincent Bala qui joue avec son latéral droit, Armand Biakop, qui va donc bénéficier d'une faute concédée par Aboubakar Dansoho. Et le match qui s'est un tout petit peu refroidi. Ballon dans la surface du Canon Léaoundé avec Figo qui remet pour le nouvel entrant à la reprise. Au-dessus des buts de Jourdain Bainassem. C'est Guy Stéphane Onguené, le dossard numéro 18 de Dingsport de la Lekki.
qui avait donc tenté cette reprise de volée complètement mal ajustée. La remise en touche du Canon Yaoundé avec un magnifique contrôle extérieur du pied de la part d'Aboubakar Danso qui malheureusement derrière n'arrive pas à trouver son coéquipier. Et ballon récupéré par Edding Sport, la Léquée. Dégagement de Yves Zoua, Marc Modou, beau contrôle, la part Marc Modou et ce ballon qu'il tentait de donner pour Mahop. Et il y a de la jeunesse, il y a de l'insouciance, on le voit, il veut faire des beaux gestes mais ça manque un tout petit peu de maîtrise, c'est normal. C'est un jeune qui n'a qu'à peine 17 ans et qui découvre les Lidouanes quand même, ce jeune, mais qui est très prometteur. On espère qu'il va apporter de la lumière dans le milieu de terrain du Canon Yaoundé. On a pu apprécier son contrôle d'il y a quelques minutes, le jeune Marc Modou Bella qui n'est qu'à sa deuxième rencontre. Et Yango qui a la possibilité, malheureusement pour lui. Le coach, le gardien Eli Adouassou a bien lu la trajectoire du ballon. Et les canonniers vont continuer de chercher la solution alors que nous sommes rendus à la 70e minute. Et Yves Zoua qui pousse ses ballons en touche pour permettre aux canonniers de se repositionner face à la menace des attaquants d'Edding Sport de la Léquée. Encore 20 minutes dans cette rencontre. Le Canon de Yaoundé continue de chercher l'ouverture alors que Balian une nouvelle fois fait parler sa technicité et sa puissance au milieu du terrain. Malheureusement, son long ballon trouve l'attaque, la défense d'Edding Sport. Peut-être que sur cette action, il va permettre à Aboubakar de récupérer ce ballon. L'effort, le centre. Et Medou Bella, il a la possibilité de frapper. Malheureusement, il est repris par la défense. Au Canon de Yaoundé, on n'est pas loin. On est au bord de la rupture. Dans un camp comme dans l'autre. Attention à cette accélération de Bellem qui a trop poussé son ballon et qui va retrouver Yves Zoua. Le ballon qui vole d'un camp à un autre. Je crois que les 20 dernières minutes de cette rencontre seront certainement palpitantes et décisives. On va suivre ce ballon dans le camp du Canon de Yaoundé avant de passer la parole à Janice Yobo qui nous accompagne dans la cabine de reportage pour donner la parole à quelques supporters du Canon de Yaoundé qui sont connectés sur la page Facebook du club et qui vont certainement, elle va partager avec nous les messages des amoureux du Canon de Yaoundé. Bon après-midi Janice Yobo. Bon après-midi Mabelibi, bon après-midi à tous les internautes qui nous suivent à travers les plateformes digitales du Canon Sportif de Yaoundé. On enregistre de nombreuses réactions depuis le début de cette rencontre entre les passionnés de football qui sont heureux de retrouver autant de spectateurs dans les stades. Nous avons également de nombreux supporters du Canon Sportif qui trouvent que l'équipe va beaucoup dans la précipitation. On a également de nombreux internautes qui relèvent la belle qualité d'image. Merci pour vos commentaires. Dites-nous depuis quelle ville vous nous suivez et on pourra ainsi vous saluer. On a donc Ekweme Lozomian qui nous suit depuis l'hôpital régional des Bolova. Beaucoup de courage à vous et merci à vous. Continuez de commenter, partagez le direct. Laissez-nous des commentaires et dites-nous depuis quelle ville vous nous suivez. Merci à Janice Yobo pour sa belle voix et ses messages des supporters du Canon de Yaoundé partagés avec nous. Priorité au direct, on va revenir donc sur ce qui se passe sur le terrain et ce coup franc accordé à Edding Sport, la Léquée avec vous, Steph. Effectivement, on a manqué de près une occasion d'ouvrir le score avec la frappe contrée de la part de Medou à l'entrée de la surface. Et on est revenu dans le camp du Canon Yaoundé avec cette faute concédée par Francis Balian qui va donc donner une opportunité à cette équipe d'Edding Sport de la Léquée de tenter d'ouvrir le score. On va rester vigilant côté Canon Yaoundé.
avec des grands gabarits dans le mur. Alors qu'on nous signale un nouveau remplacement côté Mekok Mekonda. Et c'est l'entrée de Garrick Didier Kamta qui va donc jouer son deuxième match de la saison après avoir été remplaçant lors des deux premières journées. Il avait fait son entrée, son apparition pour la première fois sur les couleurs du Canon de Yaoundé à la 82e minute lors du match d'ouverture face à Diko. Il n'avait pas été aligné lors de la deuxième journée et aujourd'hui il va remplacer, si on s'en tient au tableau des remplacements, il va certainement remplacer Jean-Hugues Eyango-Priso qui est donc resté on va le dire neutre durant le début de cette durant cette rencontre. Le coup franc sur la main transversale, heureusement derrière Jourdain Maïlassem aurait pu le repousser dans les buts avec sa tête, mais sa déviation va donc offrir un corner à cette équipe de Edisport de la Laikier. Et ce magnifique coup franc de Junior Simé qui va donc échouer sa course sur la voie transversale. Et le gardien du Canon de Yaoundé qui est donc couché au sol, qui aurait certainement reçu un coup sur cette action. On va peut-être revoir le ralenti sur ce coup franc. Avec cette frappe de Junior Simé qui va donc échouer sa course sur la barre transversale. Et malheureusement pour Edding de Edingsport avec eux, ou heureusement pour le Canon de Yaoundé, le score reste donc 0 partout entre les deux équipes. Oui, la pression qui va rester dans le camp du Canon de Yaoundé dans ces 15 dernières minutes avec le corner qui va s'en suivre. Je crois que c'est la plus grosse occasion de cette rencontre. Et Jourdain Maïlassem qui a effectué comme ça le deuxième gros arrêt dans cette rencontre. Après, on se souvient cette frappe de Julien Bellem en première mi-temps. Claqué, dévié du bout des doigts en corner. Il vient de réaliser un autre bel arrêt. Alors qu'effectivement, vous aviez raison, Steve Gabanguena. C'est Eyango qui sort donc à la 76e minute de jeu pour laisser sa place à Didier Garrick Kamta. Janice Yobo qui reste tout à côté de nous et qui nous fera signe s'il y a des messages d'internautes pour nous encourager ou alors nous adresser des critiques durant le live de cette rencontre que vous êtes certainement très très nombreux à suivre. On va revenir sur le terrain avec ce corner qui, on l'espère, ne va pas aboutir hein, pour les supporters du Canon de Yaoundé. N'oublions pas que nous sommes sur la page Facebook du Kwakum. Le Kwakum qui est sous pression après cette grosse occasion, ce ballon qui a ricoché sur la barre transversale avant d'être dévié en corner par le dos de Jourdain Maïlassem, auteur d'une magnifique détente pour enrayer l'occasion. Le temps de suivre ce corner, la défense du Canon de Yaoundé qui s'en sort. Et Janice Yobo, vous avez la possibilité de nous donner quelques critiques. Attention, on suit d'abord avec vous Adamou Danso qui a la possibilité de frapper le ballon qui passe juste à côté. Le but de Eli Adouassou. Alors, Janice Yobo, que disent les supporters du Canon de Yaoundé sur notre page? Nous avons de nombreux supporters qui nous suivent à travers le monde entier. Nous avons Maxime Mungue qui relève que la défense du Canon dégage trop les ballons et ils sont trop derrière. Il faut monter avec la défense. Nous avons donc Luc Amogou qui nous suit depuis Japoma, c'est à Douala. Kalbir Abdel de Libreville au Gabon. Noël Manda depuis Montréal. Ils sont donc nombreux. Et pour ceux qui demandent le score ici en Waikele, le score est de 0 but partout entre les deux sélections. Edisport de la Laikier et le Canon sportif de Yaoundé. Encouragez votre équipe, envoyez des cœurs verts et rouges en commentaire, envoyez des cœurs, des likes, dites-nous depuis quelle ville ou quel pays vous nous suivez, continuez d'encourager votre équipe préférée. Merci beaucoup Janice Yobo avec votre belle voix de nous partager la passion des supporters du Canon de Yaoundé qui sont nombreux à travers le monde, effectivement vous l'avez mentionné, à accompagner leur club chouchou qui est encore besoin de 12 minutes, qui a encore 12 minutes pour marquer ce but qui devrait peut-être lui permettre de remporter cette rencontre. Coup franc pour le Canon de Yaoundé, un coup franc très bien placé, légèrement excentré sur le côté gauche comme vous pouvez le voir sur votre écran. Et
Malgré ces images légèrement instables, je crois que c'est des problèmes techniques. Le canon de Yaoundé, on va pouvoir suivre dans les prochaines minutes. Un coup franc que va tenter d'exploiter le canon de Yaoundé alors que Fabrice Nga revient sur le bord du terrain, se désaltérer et prendre quelques consignes auprès du staff technique du canon de Yaoundé. Le canon de Yaoundé avec Stéphane Coué, autant pour moi, Stéphane Coué, pour tenter de forcer le destin de cette rencontre. Une rencontre qui a failli basculer en défaveur du canon de Yaoundé de manière provisoire, avec ce ballon claqué à la 75e minute par Jourdain Baynassem. Stéphane Coué qui a positionné son ballon. L'arbitre Mougoua Blaise fait respecter la distance par le mur de Dingsport de la Lekié. Le canon a la possibilité avec ce coup franc de la 79e minute de donner du répondant à Dingsport de la Lekié. Le coup de sifflet de Mougoua Blaise et Stéphane Coué qui se lance à ras de terre et le ballon dans la niche d'Eli Adouassou. Une frappe cadrée qui malheureusement n'inquiète pas. Malheureusement pour les canonniers, n'inquiète pas le gardien adverse. Et Dingsport de la Lekié pour repartir à nouveau. Faute du milieu du terrain du canon de Yaoundé. On va entrer dans les 10 dernières minutes du match à notre chronomètre Steph Gabenguena. Effectivement, on est entré donc dans les 10 dernières minutes. On joue la 81e minute de cette rencontre. Toujours 0-0 entre les deux protagonistes. Et l'intervention de Paul-Henri Tiqueux. Ballon dans les pieds de Samuel Fombe qui rejoint avec son gardien Adouassou. Le dégagement et Figo qui réussit à conserver ce ballon. Ça joue en ping-pong dans le milieu de terrain finalement. Belém est trouvé, il y a cette intervention, l'arbitre estime que c'était la rugby, là il faut jouer avec Fabrice Gras. Balian qui trouve côté gauche Adamou, Danso, Aoubakar Danso. Stéphane Coué, le centre de Coué pied gauche, directement dans les bras d'Adouassou. Et le joueur Belém, toujours au sol. Et ce dégagement de Ibezoa. Alors que Patrice Belém, il n'avait rien à faire, est toujours allongé au sol. Il a reçu un gros coup, Patrice Belém. Il aide l'arbitre à mieux apprécier une action quand l'arbitre est loin. Tu as vu les assistants là? Je parle à mon patois, je dis qu'il y a faute. Il doit appeler l'arbitre à dire qu'il y a la faute. Quand tu dis qu'il devait faire quoi? Tu veux que je parle à mon patois? Tu vois une grossesse faute. Ni l'assistant, ni le central ne peut pas voir ça. Et c'est normal. Oh. C'est comme ça que les assistants de la finale ont amené l'arbitre à valider un but grossier à la finale de la Coupe du Cameroun. Et on va effectuer un autre remplacement. C'est l'entrée du dossard numéro 20 qui remplace Julien Patrice Belém. Et l'arbitre demande de patienter. Et ce ballon dans la défense du canon de Yaoundé et dans le dos de Junior Stéphane Coué qui va donc bien assurer sa couverture. Quand il y a un ballon comme ça, tu ne cours pas derrière le joueur. Tu passes devant lui, tu vas aller couper la trajectoire du ballon. Parce
Et l'entrée du dossard numéro 20, Prosper Armel Onana, qui remplace Julien Patrice Bellem, qui a donc reçu un coup sur son genou gauche, me semble-t-il. Moukoko, qui joue avec Emmanuel Maop, qui manque son contrôle. Fabrice Nga pour la touche, qui trouve Kamta. Dégagement de la défense des Dingsport, de la Lekie avec Figo. Dégagement aussi de Moukoko. Et la faute d'Emmanuel Mahop. Ça joue rapidement côté Dingsport de la Lekie avec le nouvel entrant Maxwell, qui manque sa passe. Balian à la récupération. Et c'est une remise en jeu. Yves Zoua pour Paul Henritique, qui manque son contrôle. Ballon récupéré par le nouvel entrant Armand Mbetounou. Et il y a cette faute derrière de Paul Henritique, qui était quand même obligé sur cette action de faucher son partenaire. Heureusement qu'il s'en sort sans carton sur cette intervention de l'arbitre. Oui, c'est le genre de faute qui peut être sanctionnée d'un carton, un anti-jeu manifeste, mais ce sont des fautes salutaires parce que c'était une contre-attaque qui se dessinait, et sur ce genre de situation, on ne peut imaginer comment les choses allaient se terminer dans le camp du Canon Léaoundé. Donc c'est une faute pour les supporters qui est à saluer, mais qui au plan de l'éthique a critiqué. Un superbe contrôle au passage de Marc Medou, qui a joué en retrait, et Zoua qui se déchire. Il faut vite se repositionner, Zoua, parce que le danger peut venir très très rapidement, alors qu'il reste 4 minutes. Et la défense du Canon Léaoundé qui se dégage par Stéphane Coué. Janis Yobo, quelques commentaires certainement encore pour ces dernières minutes avec nos internautes. Vous êtes le porte-voix des supporters du Canon Léaoundé sur la page Facebook du club. De nombreuses réactions sur la page Facebook du club. Nous avons Jean-Rodriguez Momnougui qui nous suit depuis Malagoubo. Il est très ravi de nous suivre à travers la plateforme du canon sportif de Yaoundé. Nous avons Chiato Honestino Aya qui demande « Why has a journalist not given commentaries in English? Also, is Cameroon not bilingual? » On a compris votre préoccupation. Nous allons faire l'effort de commenter également en anglais pour votre unique plaisir et l'unique plaisir des internautes anglophones. Maxime Mungu qui nous suit depuis la France, et de nombreux auditeurs d'internautes encore. Diamant Noir qui soutient également les joueurs. Joël Chouamo, courage et félicitations. Ils sont nombreux. On a Abdourahman Aladji Moussa, grâce au canon, tu peux regarder le match des Dings. Voilà, on a des supporters qui se charrient sur la plateforme du canon sportif de Yaoundé, et ceux qui réagissent également aux commentaires que nous avons ici au stade. Nous avons un qui a relevé le père ne parle pas ta langue, ne parle pas ton patois. Donc c'est des internautes qui nous suivent sur notre plateforme et qui peuvent réagir également aux commentaires qui sont faits et dits ici au stade militaire de Ngouaïkélé. Oui, il faut préciser à nos chers internautes et aux supporters du Canon Léaoundé que les conditions de production du live au stade de Ngouaïkélé ne prévoient pas une tribune média, et alors les journalistes et autres communicateurs dans ce stade sont plongés dans le public, et vous pouvez imaginer que les chaudes discussions entre les supporters rivaux, des désaccords qui arrivent dans les discussions entre les supporters font que certains élèvent la voix, et puis c'est capté par nos appareils. Ça peut être bon également pour le fun, pour le côté insolite de la chose. Alors, Steve Gavanguena, encore 2 minutes dans le temps réglementaire, et le Canon Léaoundé va bénéficier d'un corner. Effectivement, un corner sur cette frappe de Garrick Kamta, dévié donc à l'entrée de la surface de réparation par Vincent Bala, le dossard numéro 4 qui a reçu, on va dire, un coup à la tête avec cette lourde frappe du dossard numéro 12 du Canon Léaoundé. Et c'est Marc Medou qui commence à prendre les coups de pied arrêtés à son actif, et il y a cette déviation. Kamta sur le côté droit, le centre de Kamta complètement
mal ajusté. Et ce sera une sortie de but pour Eddingsport d'Alekié et son gardien Mathieu Adouassou. Toujours 0-0 dans cette rencontre alors qu'on joue les 45 dernières secondes dans le temps réglementaire. L'arbitre va certainement dans quelques secondes donner le temps additionnel avec Aboubakar qui est passé avec ce sombrero d'Aboubakar dans le saut, mais derrière c'est complètement improductif. Et Fabrice Nga qui est à la bagarre avec son vis-à-vis Armand Biakom, le dégagement de Bala. Onguene qui joue avec Betounou et c'est une touche pour le canon de Yaoundé. Il est intéressant quand même Thomas Benibi, c'est Aboubakar dans le saut, même si il est un tout petit peu lent dans ses interventions. Alors qu'on nous annonce 4 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. Pour Henri Tique qui a hérité du flanc droit depuis l'entrée de Kanta. Le centre de Kouyane étant sur la tête de mort. Oula, quel bon jaillissement une nouvelle fois de la part de l'attaquant du Kanon Yaoundé qui n'arrive pas à cadrer son coup de tête qui va donc filer une fois de plus légèrement au-dessus. Début de Mathieu Adouassou. Et le Kanon Yaoundé qui va donc pas réussir à ouvrir ouvrir le score sur cette action, toujours 0-0. En tout cas, une belle impression que nous démontre dans ces 40 premières minutes sous les couleurs du Kanon de Yaoundé, c'est Emmanuel Mahop. Dans une équipe qui avait besoin de ce profil depuis 2 saisons déjà. Effectivement, hein, je crois qu'on retrouve avec Mahop le profil qu'on avait lors de la première saison du projet Kwaku Misbak. Je veux parler comme ça de Vise Moukété, Ndo Moukété, qui malheureusement n'avait pas été conservé au bout d'une saison. C'est pratiquement le même registre, mais il a la possibilité comme ça, Mahop, de continuer de travailler et certainement de gagner en confiance et de se montrer un peu plus adroit. Je crois qu'avec du travail, ça va finir par payer. Un joueur qui a montré de la combativité depuis le début du championnat avec le Kanon de Yaoundé, c'est ça. Première sortie comparée aux autres attaquants du Kanon de Yaoundé, il est un peu plus percutant aux autres attaquants axiaux, que ce soit Mefira lors de la première journée. On rappelle déjà que Mahop devait être titulaire lors de la première journée, mais des problèmes de délivrance et de licence avaient empêché le staff technique de l'aligner contre Diko de Banjoun ici même au stade de Ngouaïkélé. Il a donc eu l'opportunité cet après-midi de démontrer tout le talent, toute la réputation qu'il a établi du côté de la Guinée équatoriale avec le titre de meilleur buteur. Malheureusement, il n'est pas récompensé de ses efforts avec son gabarit, avec sa combativité. Il pèse sur la défense des Eddingsport de l'Alekié. Je crois que cette 90e minute a failli être fatidique pour la défense des Eddingsport de l'Alekié. Ce n'est que partie remise. Avec du travail, certainement, il va apporter son punch et de l'efficacité à la ligne offensive du Kanon. Effectivement, on va tenter de le trouver avec Medou qui centre une fois pour Emmanuel Marat maintenant. C'est au deuxième poteau pour Adanso. Fabrice Nga qui va donc contrôler ce ballon côté gauche, qui rejoint avec Danso avec Gary Kanta. Danso en 1-2 avec Kanta. Kanta qui est rentré, le ballon n'est pas sorti et sa reprise. Il n'avait pas suivi cette action Emmanuel Marap qui n'avait pas cru justement à son coéquipier. Et malheureusement ce ballon est donc capté par Adouassou. Alors qu'il nous reste seulement 1 minute et 10 secondes dans le temps additionnel. On va suivre de près avec Maxwell qui est toujours dos au but. Et cette faute de Maxwell sur Julien Stéphane Coué, très intelligent sur ce coup-là. Ah, il faut jouer rapidement. Il reste 45 secondes pour le Kanon Yaoundé de tenter de trouver la faille. Et le dégagement des joueurs d'Eding qui ont remis le pied sur le ballon. Eding avec sur le côté l'intervention de Moukoko. Et c'est une touche au profit de Armand Biakop qui joue avec Junior Simé. Biakop qui joue dans la profondeur avec Figo et Jimbi. Et c'est sorti, c'est une sortie de but. L'arbitre va donc laisser jouer les 15 dernières secondes. Il y avait une position de hors-jeu. On a l'impression que les canonniers n'ont pas regardé le chronomètre.
Il reste à peine 5 secondes, il faut jouer rapidement et c'est fini. C'est la fin de cette rencontre, toujours pas de victoire pour les Mekong Mengonda. Troisième match nul d'affilée en 3 sorties, en 3 apparitions dans ce championnat Tchelaïdoual. Ça fait donc du surplace pour les Kamon Yaoundé. 3 points seulement pris en 3 rencontres. Il va falloir corriger énormément de choses sur le plan tactique et sur le plan offensif également. La lucidité offensive, le réalisme qu'il va falloir corriger par le staff technique du coach Jean-Baptiste Bissek. Il va falloir corriger énormément de choses pour que le Kamon Yaoundé retrouve de sa superbe, retrouve en tout cas ce qu'on a connu de lui à l'entame de la saison dernière avec ses 5 victoires d'affilée. Et malheureusement, ça fait donc 3 matchs sans victoire. Et la seule et bonne chose à retenir, c'est que ça fait 3 matchs sans défaite pour le Kamon Yaoundé. On va marquer une pause et on va se retrouver juste derrière. Après cette courte page publicitaire, avant donc de remettre l'antenne, alors qu'on annonce que le président du conseil d'administration du Kamon Yaoundé a donc assisté à ce match nul. 0 but partout du Kamon de Yaoundé. Et il faut également le préciser, ça fait 3 matchs, pour le rappeler, sans victoire pour le Kamon Yaoundé. 0 but partout contre Diko Banjoun, un but partout contre Avion du Cam, et maintenant 0 but partout contre Edinsport de la Vecchie. Ça fait un seul but marqué par le Kamon Yaoundé en 3 matchs et un seul but encaissé également en 3 matchs. Ça fait de lui la meilleure défense du championnat, en tout cas de cette poule A, et par contre l'une des pires attaques de la poule et même du championnat. Et il va falloir corriger énormément de choses. On espère que lors de la prochaine sortie, ce sera la 4e journée de cette rencontre. Ce sera mercredi prochain contre une autre bête noire du Kamon Yaoundé, à savoir Stade Renard de Mélang. Il va falloir aller chercher en tout cas cette première victoire qui n'arrive pas au Mekong Mengonda. On me signale que la 4e journée c'est plutôt contre l'Union des Mouvements Sporting de l'Union des Mouvements Sportifs de Loum, et le Kamon sera une fois de plus à domicile. Il va falloir aller chercher cette victoire pour tenter justement de mettre la pression sur les concurrents qui ont déjà pris une sérieuse avance, et le Kamon qui va donc officiellement céder sa 4e place ce soir. On attend les résultats des autres rencontres pour vous annoncer le classement définitif au terme de cette 3e journée. On va donc se séparer et se dire au revoir avec ce triste match nul du Kamon de Yaoundé qui va donc faire un surplace cet après-midi. On se donnera rendez-vous mercredi prochain contre UMS de Loum, l'Union des Mouvements Sportifs
de Loum pour la 4e journée de ce championnat MTN Elite One saison 2022-2023. Très belle soirée à tous.